Aujourd'hui, Terrebonne se souvient des blessures, des sacrifices, des combats pour la liberté, pour notre liberté. Aujourd'hui, Terrebonne se souvient de tous ceux et celles qui se sont battus pour un avenir plus grand, pour une terre plus juste, pour une paix durable. Mais présentement sur parade, je vois beaucoup de membres en uniforme du Royal 22e Régiment, première unité canadienne-française. C'est aussi le 100e anniversaire de la bataille de Courcelette cette année, qui a eu lieu en septembre 1916. C'est cette bataille qui a fait en sorte que la langue française s'est maintenue et a gagné sa place dans nos institutions. Bataille mémorable dans laquelle beaucoup d'hommes sont tombés au combat pour la patrie, pour notre peuple, notre nation. Et on doit aussi s'en souvenir. On a présenté! Ah! Power!